Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adro. L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. D'accord. Voilà, il fallait quand même faire une petite pause. J'espère que vous avez pu vous remettre de cette expérience difficile qu'était le sacrifice de notre compagnon de voyage. Mais voilà, maintenant c'est fait, il faut avancer. Il faut aller de l'avant et ne pas se laisser submerger par l'émotion. Ouais, petit graffiti encore, incroyable. Et bien sûr la musique primordiale. La porte est fermée, hein. Je vous le dis quand même. Avançons. On évite de tomber à chaque fois. J'oublie ce piège. Ce piège horrible qui nous est tendu. Ah, et là c'est pas drôle. Et là c'est pas drôle parce que ce truc là, qu'est-ce qu'il est long à faire. Oh là, j'ai failli tomber. Il va nous falloir passer là-bas. Il va nous falloir passer là-bas. Et pour juste pouvoir appuyer sur ce bouton. Hein. Pour pouvoir passer la porte, sauf que voilà, vous voyez bien que c'est fermé. Donc bon, ma foi, quand il faut y aller, il faut y aller. Salut les tourelles. Merci, c'est gentil, c'est délicieux. Délicieux. Alors, on voit que ce bouton permet donc d'amener au laser. Cependant, vous voyez bien qu'il y a beaucoup trop de tourelles gênantes. Donc on va s'en débarrasser petit à petit en utilisant les boules d'énergie. Et effectivement sur ce niveau à chaque fois il y a des problèmes. Mais bon, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà. Et la dernière. Bon. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir tenter de récupérer la boule d'énergie. Voilà. Non, ça ne l'a pas fait. Je suis déçu. Donc récupérons la boule d'énergie cette fois. Voilà. Voilà. Désormais, nous avons une petite plateforme qui se déplace bien gentiment, bien gaiement. Nous allons attendre qu'elle revienne. D'accord. J'ai sauté un peu tôt. Un poil tôt quand même. Oh, ça c'est des marques de notre passage. Délicieux. Donc bon, cette fois-ci on va attendre un peu plus, hein, voilà. Ah, on a compris. On a compris que le jeu ne voulait pas. Voilà, il voulait pas qu'on aille trop vite. Et qu'on va pas trop vite. Et comme ça fonctionne. Il nous faut récupérer ce cube. Évidemment, ce n'est pas aussi simple. Évidemment pas aussi simple. Voilà, nous sommes passés. Voilà, on a tout ici, tout va bien. On peut donc désormais partir avec notre cube. C'était un peu long pour pas grand chose, je l'admets totalement.
D'ailleurs, il y a moyen de speedrunner ça de manière assez vénère. Voilà, ça peut être un peu drôle. On va juste y aller doucement parce que... Oula, j'ai failli totalement tomber. Voilà. Alors ça, ça doit être le niveau que je... Enfin, la partie de niveau que je préfère le plus. C'est tellement classe. Il y a une radio, vous remarquez. Et oui, on garde. Le momentum. Je ne sais jamais. Non. Oh là là, oh là là. Bravo. J'ai de la chance. Le prochain test implique que vous soyez exposé à des composants électriques non isolés, pouvant s'avérer dangereux dans certaines situations. Pour en savoir plus, veuillez assister au séminaire sur la sécurité électrique du centre. Nous n'y manquerons pas. Nous allons, oui, avec grande joie, grand plaisir, assister à ce séminaire sur la sécurité. Et donc, le dernier test. À la fin du test, veuillez jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez ma vie. Le gâteau soit sel. Bon, ça a été un peu raté, qu'importe. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est réussi. Et là, c'est un parcours incroyable qui s'offre à nous. Avec esquive latérale sur le côté. On ouvre, on prépare, on est prêt. Là, vous entendez ce bruit rassurant. C'est le cas, c'est le cas. Là, on est donc orange. Il faut qu'on se rappelle de ça. Et voilà. C'est mignon. Et maintenant, on n'a plus de boule, c'est bon. Et définitivement, de l'autre côté, tout va bien. Bon, voilà. Ça se passe toujours bien. Là, on est un peu gêné. Hein. On sent... que c'est pas très très gentil ce qu'ils veulent nous faire faire, mais ça voilà, c'est bon, on a réussi. Et oh, on va avoir du gâteau. Le test est terminé. Les technologies à peinture restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Ah. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Merci d'avoir participé à l'activité d'enrichissement par ordinateur d'Aperture Science. Au revoir. Ah. C'est gentil, c'est gentil. Je note. Bon. Bah, il commence à faire un peu chaud, hein. On va partir. Que faites-vous? Arrêtez. Je. Dans ma vie que vous ayez atteint le niveau final, nous vous laissions penser que nous allions vous tuer. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Posez le générateur à terre, puis allongez-vous sur le ventre, les bras le long du corps. Un membre de l'équipe fête viendra bientôt vous chercher pour la fête. Oui, mais je... Essayez de sortir de la zone de test. Mettez-vous en position de sécurité ou vous n'assisterez pas à la fête. Ah, il faut actionner l'objet comme si on portait un cube. Bonjour. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Bonjour. C'est bon. On évite de rentrer dans le ventilateur qui fait un peu mal. Allons en face, s'il vous plaît. Voilà, voilà. On peut parfaitement passer... voilà, ici. Et oh, on peut rentrer, incroyable. Des écrans. Vous rendez compte, on peut avoir des souris, Aperture Science, des claviers, des ordinateurs. C'est vraiment...
Indice. Et regardez, c'était une salle d'expérience d'il y a longtemps. On est content. On peut même ouvrir la porte là, ce qui n'a aucune forme d'intérêt. Je ne vous montrerai pas tous les secrets, parce qu'il y a quelques zones encore qui restent à explorer si jamais le cœur vous en dit. Pour l'instant, nous, il nous faut monter. Alors, montons. Oui, certainement en face d'ailleurs. Oui, très certainement en face. Sautons. Voilà. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas fuir, vous savez. Ah bon? En plus, vous vous trompez de direction. Vraiment? Bonjour, il y a quelqu'un. Oh, un cube. Je crains qu'il ne nous ait pas suivis. Très bien. Ok, le test est fini, bravo. Retournez à l'annexe de récupération pour du gâteau. Nous avons passé un bon moment. Nous sommes impressionnés par votre réussite. Le test est fini, revenez. Oh oh, quelqu'un a coupé le gâteau. Je leur avais pourtant dit de vous attendre, mais ils ne m'ont pas aidé. Vous pourrez en avoir si vous revenez. J'ai réfléchi. Je me dis, effectivement, peut-être que c'est ça qu'il faut faire, finalement, revenir. Mais j'ai quelques doutes, quand même. Hein. J'ai mes quelques réserves. Non, écoutez, je pense qu'on a meilleur temps de continuer un peu notre petit bout de chemin, comme ça. Ça me paraît plus tranquille. Bon, on doit revenir. Merci. Maintenant, il nous faut sauter sur le côté. Et ça passe pas. On peut essayer de sauter en face aussi, hein, mais c'est toujours un peu complexe. Je ne vais pas les mettre plus proches, hein, pardon, évidemment. Comme ça. Voilà, c'est bon, comme ça, c'est passé. Petit chargement tout à fait normal. En plus, vous vous trompez de direction. Où croyez-vous aller? Oh. Car je ne crois pas que vous alliez où vous pensez aller. Tu m'en diras tant. Alors, on peut aller par là, mais c'est un peu long. Revenir ensuite. Pour l'instant, nous voulons aller là-bas. C'est raté, mais qu'importe. Descendons. On s'est bien amusé, non? Vous vous rappelez, oui, la salle qu'on s'ouvrait sur le brasier, je vous ai dit au revoir, et vous aviez dit et que je faisais semblant de vouloir vous tuer. C'était super. C'est vrai que ça me manque un peu déjà. Hein. Il y a quelqu'un. Il faut aller là-haut, donc bien sûr. Ça semble, ma foi, fort adapté de monter sur ce tube. On va essayer de faire ça. Du bleu. Ah, mais tout simplement. Il faut juste tomber deux fois. Ce sera vite vu. Ah, tellement proche. Tellement proche et pourtant si loin. Ouais, il suffit de des petits oublis. Je ne suis jamais bien à l'aise dans ces faux niveaux. C'est dangereux, vous savez. Certainement, oui. Oh oui, on peut. Elle a dit qu'elle était pas fâchée. Est-ce qu'on peut vraiment la croire? Je n'en suis pas sûr. Faudrait certainement que nous puissions aller plus
haut. Plutôt en face éventuellement alors. Genre là. Ah voilà. C'était ça. J'aimerais passer s'il vous plaît. Merci. Voilà. Nous avançons, nous tombons là-dedans. Ah, petit moment un peu. Vous me faites pitié, sincèrement, vous n'êtes même pas au bon endroit. Vous auriez dû tourner à gauche tout à l'heure. C'est drôle, en fait, quand on y réfléchit. Un jour, nous rirons de tout cela. Nous en rirons beaucoup, beaucoup. Vous feriez mieux de revenir. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à tenir pile poil sur l'espace qu'il y avait dans le mur. Encore un petit ralentissement. Alors. C'est mignon tout plan ça, n'est-ce pas? Non mais je voulais aller là moi. Oh. Oh c'est vilain ça. Posez-moi. Non, tombe. Recherche. Voilà, vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas d'être là. Vous n'avez aucune légitimité. C'est bon. Elles se sont calmées. Allons là. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Je ne vous apprends rien. Les gens bien ne finissent pas ici. Oh, ça vous dépend. Hein. Ça dépend. Bon. Bon, c'est une fausse tourelle qui ne marche pas. Allons plutôt dans ce conduit. Salut, toi. Tu tombes, je te dis. Erreur. Elle est tombée. Erreur critique. Il nous faut aller là-haut. Voilà. Partons. Tout va bien. Et nous arrivons dans des bureaux. C'est de votre faute. Il aurait pu en être autrement. Trêve de plaisanterie. Revenez ou je vous tue. Oui, bah comme ça au moins c'est clair. Hein, ça. Je vais vous tuer et il ne reste plus de gâteau. Vous vous en moquez. C'est ça. Salut, toi. C'est votre dernière chance. Ah. Tu es donc de ce style-là. Du style j'envoie des roquettes. Ok. C'est bien, très bien. Je note. Eh bien, ma foi, nous allons t'utiliser. Salut. Merci, c'est gentil. On te reprend plus tard, hein. Genre maintenant. Ah, ça n'a pas suffi. Merci. Voilà, maintenant tu peux disparaître. Je n'ai plus besoin de toi. Oh, notre cube. Comme ça, nous pouvons passer dans ce conduit. Ah, l'échelle. Oui, Shell est le prénom de notre personnage, même s'il n'est jamais dit clairement. C'est ainsi que nous. Donc. On va supporter ce niveau qui ressemble à s'y méprendre à des égouts. On va revenir à aller plus loin. Ok. Ah, celui-là. Assez perturbant ce nom. Assez perturbant. Au tout début, quand on sait pas quoi faire là-dessus, ça fait peur quand même. Hein. Tout d'un coup, vous avez. Elle tombe, c'est bon.
on a des tourelles de tous les bouts qui nous tirent dessus, ça fait un peu peur. Oh, c'est ça, attends. Voilà. Et ma foi, il nous en reste encore deux. Oh là là. C'est bien beau. Et encore ici. Et bien voilà. Plus de tourelles. Ah si, encore une petite. Tout là-haut. Ça va? Bon. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Il va nous falloir monter au-dessus. Ça, c'est une évidence. Ah oui, de toute façon, si l'on monte, c'est nécessairement au-dessus. Et il faut parvenir à mettre le portail là-haut. On n'a pas un petit coin sympa? Si, sûrement depuis là. Ah bah. Oh, ça va passer, ça, non? Non, ça va pas? Si, ça va. Voilà, tout est bon. Et maintenant, bon, on va se propulser très très fort. Nous voilà. Et là, on se dépêche. Voilà. Allez. Mmh. Ouais, c'est ça, sans rancune. On se rappelle. On se rappelle. Sautons. Ok. Nous continuons notre ascension fulgurante. Et là, on espère que ça tombe pas, parce que sinon... on n'est pas bien. Tout est bon. Ah, nous retournons dans des bureaux. Ah oui. Black Mesa, c'est la grande organisation dans Half-Life, qui est aussi une organisation scientifique de recherche. Et s'ils acceptent, voilà. Et Aperture, c'est celle où nous sommes actuellement. Donc c'est... donc je rappelle que les deux jeux sont faits par Valve, hein, donc c'est géré, hein, comme clin d'œil. Ce ne sont pas... clairement pas une attaque... envers l'équipe de développement. Non, c'est tout, pas d'autres... oui. Ouh, non, pas d'autres diaporamas. Tout va bien. Regardez ça. Est-ce que... ça ne sentirait pas un petit peu... le boss final, ça. Bien, vous m'avez trouvé. Bravo. Ça en valait la peine, car malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. Nous pourrions en rester là et passer à autre chose. Mais nous savons que c'est impossible. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise pour vous. Surprise dans 5, 4... une petite minute. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tiens. Je viens de perdre quelque chose, vous avez vu? Tiens. Ce n'est pas ma surprise. De quoi peut-il s'agir? Peu importe, je verrai ça plus tard, quand vous serez partie, enfin morte. Où emmenez-vous cette chose? Ne vous attardez pas là-dessus. C'est une bonne question. À mon avis, vous ne ferez qu'empirer les choses en touchant à ça. Ça me rappelle quelque chose, ça. Un épisode un petit peu traumatisant qu'on a eu. Je ne vais pas vous donner d'ordre, mais à votre place, je n'y toucherai pas. Disons que si on suit ce petit faisceau lumineux... oh! Vous ne croyez tout de même pas que je cherche à faire de la psychologie, hein? Oh. C'est une blague. Mince. Ne me dites pas que vous avez jeté le bidule inconnu d'Aperture Science dans l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Vous avez vraiment agi de manière stupide. C'est ce que j'ai fait. Wow. Bonne nouvelle. J'ai trouvé à quoi sert cette chose que vous avez brûlée. Il s'agissait d'un processeur de moralité, installé lorsque j'ai inondé le centre d'une neurotoxine mortelle.
afin que j'arrête d'inonder le centre d'une neurotoxine mortelle. Installez-vous confortablement pendant que j'active les émetteurs de neurotoxines. Ah, ce processeur semblait servir à autre chose. Je ne peux plus désactiver les tourelles de défense. Bien, si vous voulez mon avis, autant s'allonger devant une requête. Croyez-moi, ça sera toujours moins pénible que la neurotoxine. Parfait, continuez donc à faire ce que vous croyez faire. Ce n'est pas parce que je vais vous tuer que je ne peux pas vous donner de conseils. Optez pour la requête. C'est gentil, merci. Ne t'inquiète pas. Venez de détruire. Il s'agit du catalyseur de craquage des fluides. Il sert à fabriquer des chaussures pour les orphelins. Bravo, vous l'avez cassé. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Honte sur vous. C'est un ordre. Je ne vous ai rien fait. Je ressens la douleur contrairement à vous. De vous en moquer, c'est ça? Cela doit être ça. Son envie de découvrir des choses et d'expérimenter. Vous avez entendu? Vous croyez que j'en souffre? 2 plus 2 égale 6. En base 4, tout va bien. Si vous êtes toujours en vie, c'est parce que vous suscitiez ma curiosité. Bien. Vous avez réussi à détruire ce côté de ma personnalité. Malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas vous administrer la neurotoxine plus rapidement. Je tiens à préciser que nous avons eu toutes les chances de votre côté. Nous avions même organisé une fête pour vous. Une grande fête avec tous les amis. Nous avions même invité votre meilleur ami de culte de voyage. Bien entendu, il a dû se désister comme vous l'avez tué. Vos autres amis n'ont pas pu venir faire c'est vrai pour rien d'étonnant, mais votre attitude désagréable. C'est écrit dans votre dossier, désagréable. Détesté de tous, un être solitaire, aigri et désagréable que personne ne regrettera. Je cite, que personne ne regrettera. C'est écrit noir sur blanc. C'est officiel. Je lis aussi que vous avez été adopté. Amusant. À propos de curiosité, vous devez vous demander ce qu'il y a après la mort. Vous savez quoi? Moi je sais. Mais inutile de vous le dire, vous le découvrirez avant que j'ai le temps de vous l'expliquer. Je vous donne un indice. Profitez bien des dernières minutes de votre existence. Oh là là, je galère. Ce n'est égal ce que vous venez de détruire. Il s'agit du catalyseur de craquage de fluides. Il sert à... Ah, quand même. Bravo, vous l'avez cassé. Honte sur vous. C'est un ordre. Je ne vous ai rien fait. Je ressens la douleur. Ah oui, ça c'est intéressant. Pour vous en moquer, c'est ça. D'huile végétale. 15 gros œufs, 100 g de pépites de chocolat, 200 g de beurre ou de margarine, 300 g de sucre. Vous avez entendu? Je dis que vous en moquez. Vous m'écoutez? Des éléments de décor tels que. Ah oui, en forme de poisson. Bonbons en forme de poisson. Déchets en forme de poisson. Des brillants en forme de poisson. Ça suffit. Inutile de vous raisonner. Dorénavant, nous allons parler beaucoup moins et nous allons tuer beaucoup plus. Sédiments en forme de sédiments. Beurre de cacahuète caramélisé en forme de poisson. Il aime beaucoup le poisson. Un zeste de citron. Des résines alpha. De la résine de polyester. Vous avez dit quelque chose? Vous ne croyez pas sérieusement que je vais vous répondre? De toute façon, ce gâteau ne semble pas très... bavardage. Aux normes. À la prochaine. Neurotoxine. Mortel. J'ai tout. Je plaisante. Quand j'ai dit mortel, il fallait relever le ton sarcastique que j'ai employé. Je pourrais prendre un bain de neurotoxine, en manger au petit déjeuner et me frotter avec que ça n'aurait aucun effet. Du moins sur moi. Vous, en revanche, risquez de ne pas apprécier son côté dévastateur.
Qui préparera les gâteaux si vous voulez? Écoutez, vous perdez votre temps. C'est dommage pour le peu qui vous reste. Vous espérez quoi exactement? Survivre? Dans ce cas, évitez de vous faire du mal. J'ai scanné et sauvegardé votre cerveau. Au cas où il vous arriverait quelque chose de mal, c'est-à-dire très bien. Vous ne croyez pas? Écoutez donc. Bonjour. C'est vous. Vous avez vraiment l'air stupide. Vous avez fait faux semblant depuis le départ, même à propos de cette chose. Scientifique, ni un docteur, ni même une employée à temps plein. Comment peut-on se tromper à ce point? On cherche à s'enfuir? Les choses ont bien changé depuis la dernière fois que vous avez quitté ce bâtiment. Vous allez regretter d'être parti quand vous verrez ce qui vous attend. Mes connaissances sont infinies, et pourtant je n'ai pas de certitude sur le monde extérieur. Sinon que je suis la seule chose qui nous sépare d'eux. Enfin, j'étais. À moins que vous n'ayez un plan pour construire un super ordinateur très rapidement, vous allez bientôt être en danger. C'est ta limite. Je voulais que vous ayez autant de sarcastique. Parole que possible. J'efface votre sauvegarde. Stop, ça suffit. Je l'ai effacé. Quoi qu'il arrive, vous êtes mort. Vous êtes mort. Salut Kratos. Ah, ça c'était pas prévu. Ouais, un beau décor. Mince alors. Cela voudrait-on donc dire qu'il y aurait un épisode 2? Oh non. Oh non, je ne pense pas. Eh bien, voilà. C'est terminé. Je vais vous laisser profiter du générique de fin qui est absolument sublime. Je vous conseille quand même de l'écouter en anglais aussi, hein. Le gâteau. Il était là depuis le début. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are
Cette musique qui est absolument fantastique. Que je vous conseille quand même en anglais, parce que la traduction n'est pas exacte, hein. Là, on ne va pas se le cacher. Bon, et bien voilà qui termine ce let's play en 2 épisodes, du coup, de Portal 1, qui se fait effectivement relativement vite. J'espère qu'il vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adrift. Thank you.